Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis dans notre série intitulée « La teutonisation des lois du marché ». Nous venions de terminer notre seconde guerre contre la Lituanie pour lier notre territoire parce que... Ah, je me suis planté au traité de paix, j'ai donné ça au Danemark, bon, tant pis. Du coup, on avait attaqué Magdebourg pour essayer de les poutrer. Après, ceci dit, on pourrait peut-être faire la paix avec eux maintenant. Hein, oui, merci. Réparation de guerre. Ouais, on va faire la réparation de guerre parce qu'on n'a plus de réserve militaire. Un peu de caillasse quand même. Hein. On a les emprunts. Voilà. Et ça, c'est très bien. Et puis merci, au revoir. Comme ça, on a terminé nos guerres et on est bon. Et on a surtout bloqué l'expansion turque. Alors, on a besoin d'hommes, hein, clairement. Oui, on a beaucoup besoin d'hommes. Allez, bam, une fois, deux fois. Voilà, comme ça on récupère. Très bien. Toi, tu vas aller ici. Toi, tu vas aller ici. Toi, tu vas aller ici. Et on va terminer de légitimer cette affaire. Ouais, ça c'est le butin de guerre, mais là j'y crois pas pour le prochain mois. Trêve avec le Danemark a expiré. Ouais, mais bon, là, le Danemark... Mais si elle a expiré, on peut quand même faire... Envoyer des insultes. Et l'outrager, même, tant qu'à faire. Ça nous rapprochera un peu de tout le monde. Voilà, comme ça, on gagne un de plus à chaque fois. Là, on se regroupe. Toi, tu peux te casser, Lübeck. Ah non, 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 attends, Lübeck. Oh, pff. C'est quoi le délire avec Lübeck? Rétablissement des privilèges. Ouf, pas mon problème. Et on va prendre la tech. Ah, on est encore tard. Ouais. Ah, il va passer par ce corridor à tous les coups. Il est à l'autre bout de la planète, un classique. On va y aller. Ah bah et ça là par contre. Je sais pas par où ils vont passer par contre. L'objectif c'est de prendre quoi? Lubin? Lubin? Comment Autriche t'as un réseau de... Oh là là, j'ai peur de ce que ça va donner. Prenons la tech. Attendons de voir où ils vont aller, eux. Bah non, allez, on va les changer. On va prendre... On est plutôt en offensif, hein, nous, comme d'habitude. Les francs-tireurs. Allez, go. Ça a repété où? À Kiev? À Cracovie. Alors ça, Cracovie, on peut y aller. Ah, ils vont prendre ça. Hein. J'avoue que j'ai un peu peur de ce que ça va donner là. Envoyons un truc, un mec à Rome, ouais, clairement. Toi, tu peux rentrer, c'est bon. À Mito. C'est là-bas, à Mito. Dans 6 ans, bon, on a le temps. Le but, c'est vraiment que ça, ça se termine. L'Ottoman, tu veux passer? T'es en guerre contre qui, Ottoman? On passe, hein. Bon, une petite guerre. Gain d'argent... ouais, ou alors ça. Non, gain d'argent, c'est bien, pour une fois. On peut avoir un peu d'argent. On peut faire quelque chose aussi pour nos ordres, là, actuellement? La réponse est oui. La réponse est oui. On va...
convoquer les ordres. Ouais. Et les no les bourgeois, vous voulez quoi? Une cale sèche ou un quai? Ouais, bah va pour la cale sèche ou un quai. Ok, allez go. Voilà, Cracovie ça a pété, c'est très bien. Oh, ce goulot d'étranglement, ça me fait un peu peur. Hein. Ah, ils vont me donner peut-être une partie comme ça. Faudra alors les réattaquer du coup. Et après la Pologne, bien évidemment, qui n'est alliée à personne. Bon, là ça a pété en Lituanie à. Ah, ouch. Attendez. Braslo. Ok. Ou à Oula, c'est ça? Ok, on va y aller tout de suite. Ok, ok, ok. On n'est pas dans une bonne... Bah si, on est dans une bonne situation, ça va. On est 7ème puissance mondiale. Et on va bientôt pouvoir prendre le... on va bientôt pouvoir prendre ce qu'il faut prendre. Alors, c'est quoi? Non. Oui. Voilà qui est fait. Ouais, Braslo, bah c'est bon, on est su, c'est très bien, bonne nouvelle. Stabilisons le pays, ça devrait arriver rapidement, hein. Ça devrait être... Par contre, les conversions, ça va être compliqué après. Hein. Clairement. Alors, 10 en prestige, non. Ouais, perdons mon diplôme, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Ah, l'Autriche est un monstre, hein, quand même. Après, on a un peu bloqué l'expansion, hein, parce qu'encore une fois, il nous faut... Ouais, ça on l'a. Il nous faudra la Crimée. Ouais, c'est vraiment... On a sécurisé notre expansion pour pas que l'Autriche décide de nous casser les pieds. Alors, bonne nouvelle. On peut faire ça. On va le faire. Voilà. Voilà, tout est bon. Allez, go. Voilà. C'est où que ça a pété maintenant? À Polotsk. Non, oula. Bon, d'un côté, c'est très bien. On va même se mettre dessus. Faisons ça. Et on peut prendre du coup... Je pense qu'on va prendre ça. Propagation des institutions. Bon voilà, je pense que là, Ah, moins 2 d'agitation dans le pays, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, on sent que la Pologne n'est plus un rival valable. Eh ben, Angleterre. Voilà. On va imposer l'embargo. Et on va t'insulter. T'es où l'insulte?
de cette guerre. Envoyer des insultes. Le 9 juin. Ah oui, c'est pas pour tout de suite. On a qui d'autre en rivaux? Milan, on peut te réinsulter ou pas? Voilà, ça c'est une bonne nouvelle, bonne nouvelle. On va réinsulter Milan. On va insulter le Danemark. En plus, le Danemark, il a pas perdu sa guerre. À voir. Magnifique, 50 points diplomatiques. Ouais, ok, alors. Faisons ça. Voilà. Faisons Pologne lever l'embargo. Bon, ça, ça va tomber. Alors, ouais. Bon, pff. Ah, ils ont quand même pris quelques développements. Hein. Ouais, ils commencent à s'engouffrer, quoi. Nous, notre objectif, ça va être ça. Transfert ton... Ouais, alors, Teutonique, ok. Et... mince, il y aura un an avant que l'Autriche décide de prendre ça. Après, on a l'option aussi Baltique. On pourrait même percer dans le Jutland. Et nous percer ici, quoi. Bon, financièrement, ça va un peu mieux. Voilà, là, on va beaucoup mieux. Allez. Non, merci beaucoup. Voilà, alors pourquoi? Niveau de développement... Ouais, là, il va falloir faire des états. Hein. Clairement. Il va falloir faire beaucoup d'états. C'est quoi notre limite d'état? On n'a pas de limite, c'est notre capacité de gouvernance. Bah écoutez, on va faire des états. C'est où déjà le plus juteux? Bon, déjà pour commencer, ça, oui. Ensuite. Polosk. Bah, concrètement, autant tout étatiser tout de suite. On fera le tri plus tard. Le but, c'est de convertir. Ça va nous coûter un bras, mais l'idée est là. Ok, contrebande, non, on va faire ça. J'ai envie de payer. Est-ce que là, ça sera mieux? Pas du tout. Culture non acceptée, donc il va falloir accepter les cultures maintenant. La culture polonaise serait pas mal et la lituanienne. Mais la lituanienne nous fait plus défaut. Parce que là, en fait, on prend un gars qui fait puissance démissionnaire. Cher. Qui coûte extrêmement cher. Après, on pourrait virer lui. Voilà, tout est à nous maintenant. Alors, ça c'est très bien. On va le faire. Ça c'est bien, ça a pété. Après, idéalement, ça serait de commencer là où c'est à Kharkov. Kharkov, c'est ici. C'est pas légitimé. Bon, ça sera le mois prochain. On peut commencer ici déjà. On fait Lady
de religion imposée. Et une fois que ça, ça sera possible, voilà, ça avancera beaucoup plus vite. Ouais, c'est déjà mieux. C'est déjà nettement mieux. Pour répondre à un diplôme en plus, la réponse est non. Pas tout de suite. L'autre endroit légitime à convertir sera... 1,40 Yedsan. C'est ici, justement. Voilà, et on peut prendre la tech là, on va le faire. Voilà, et là déjà, ça devrait un peu mieux aller financièrement. Et on pourrait presque prendre un mec qui nous aide à convertir plus rapidement. Ouais, c'est quand même vachement plus acceptable comme ça. On pourrait construire quelque chose. Ouais, bah justement, mais de la production. Voilà, ça c'est bien. Mais déjà ça dans un premier temps. Et améliorons nos relations avec nos alliés. Lübeck, c'est une guerre de conquête ou c'est quoi? Donc c'est de la conquête standard. Très bien. On va mettre Cracovie déjà, quand on le pourra bien sûr. Bon, on a calmé un peu le jeu, c'est déjà bien. Les missionnaires font leur travail. Moi, si tu veux. Légitimer ça. Je trouve que la religion a un peu de mal à s'installer, mine de rien. Il galère à le... Bon, continuons chez les autres. Alors, gain d'argent. Alors, perte de 10 sans dévotion. Non, on va gagner de l'argent. Un petit coup de prêt. Voilà, influence sur le pape. Très bien. Donc, ça, ici, théoriquement, dans cet état-là. Ah, il y en a un autre. Bon, autant le continuer. 6 par mois, ça va être très rapide. Ça nous fait gagner une bonne dévotion chez le pape, en plus. T'as lié à qui? À Magdebourg. Oh, tiens, Magdebourg. Ça te dit que je te redéclare la guerre encore une fois? On peut faire des troupes en plus. On peut faire plein de choses en plus. Le vassal. Bon, pour l'instant... On va le garder. Petite seconde. Non. Voilà. On va continuer. On va attendre le mois prochain. Voilà, qui est fait.
Après, le prochain, idéalement, ça serait Vyazma. Vyazma, c'est où ça? Vyazma, c'est ici. D'accord. Croissance de l'industrie typographie. C'est apparu. J'aurais bien voulu voir où c'est apparu. Au Brabant. Bon, pourquoi pas. Brabant. Ok. Est-ce que nous, du coup, ça augmente naturel. Ouais, ça augmente naturellement ici. Bon, on va faire un eddy. Accroissement de la modernisation. Alors, tolérance envers la seule vraie foi, ou alors puissance des missionnaires. On va faire puissance des missionnaires, on a besoin de convertir là. L'ordre teutonique. Ah, le concile de Trente. La réforme catholique. Il y a quelque chose de particulier. Ah, le fameux concile de Trente. Bah, de toute façon, nous c'est. Mesures conciliantes. Amélioration des relations. Soutenir, confère à la France ses avantages. Ah, ouais. Et genre, on pourrait se mettre là, comme ça. Tolérance envers les hérésies, résistance à la réforme, et là on aurait une moins bonne résistance à la réforme, c'est ça? Ah non, pareil. Honnêtement, on veut rester catholique, on va cliquer là. Ouais, puissance des missionnaires, c'est très bien, c'est ce qu'on veut faire, de toute façon on veut tout. Voilà. Voilà, c'est bien. On gagne plus de puissance de missionnaire en plus, comme ça. Et là on peut. Embraser la contre-réforme. Le pape nous kiffe, l'Autriche nous kiffe, coup des technologies, bah, tant pis. Ouais, on va faire ça. On considère quoi comme une hérésie? Bon, c'est très bien. Même si ça coûte plus. Je sais que c'est pas bien parce que ça coûte des technologies, mais c'est quand même intéressant. Et l'indulgence, c'est quoi? Hérésie? Coût des technologies plus 5% quand même. Hein. Ah mais puissance des missionnaires contre les hérésies quoi. Allez go. Bon là à mon avis ça va prendre. Voilà, là c'est donné maintenant. Et on a gagné un machin en plus. Magnifique. On a gagné combien? Bon bah go. Limite, on n'a même plus besoin d'édits. Aucun édit. Voilà. Pour éviter tous les problèmes aussi, on va mettre la culture polonaise en culture acceptée. Ce qui va nous faire du bien, je pense. Enfin, j'aurais aimé que ça nous fasse du bien. Bon, là, ça devrait avancer rapidement maintenant. Trêve avec la Bohème, Magman de Wurtzbourg, Mulhouse, ok. Oui, bah rivalise-moi, c'est ton envie. Intransigeante. Parfait! En plus, on est bien vu de l'empereur, comme ça. Alors, instabilité ou. Waouh, mollo. Ouais, ok, c'est bien, ça augmente. Comme ça, on peut prendre la stab. Et on peut aller là, c'est des fanatiques catholiques. Pourquoi c'est pas catholique ici? Si, ça l'est totalement. Bon, bah, continuons.
Voilà. Et voilà, comme ça on est tranquille, on n'a plus rien. Pourquoi on a... Ah, parce que t'es implacable. Et on est en guerre des paysans. Ah, c'est dans le Serge encore, ça. On est en guerre des paysans. Ah, oui. Tant que celui-ci ne sera pas terminé. Ok. Le conflit est violent entre les paysans qui font rage depuis des décennies sans de l'Empire. Il y a bien temps que l'on... Ok, bon, ça c'est une bonne nouvelle parce que ça va calmer le jeu de manière... Non? Oui, d'accord. Ah non. Super. Guerre des paysans. Alors... L'Autriche, t'es où? Bon, allez, mettons-nous là, et puis basta. Alors, 10 ans... Ouah, et oh, pause pour une fois. Teutonique. Ok, si tu veux. Bon, faisons ça. Plus de d'influence sur le pape. Parfait. Parfait. Terminons ce qui a terminé. Ouais, pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire quand même. Voilà, et comme ça on aura 100% d'unité religieuse et tout le monde sera content, et le pape y compris. Voilà, terminons ça, on est bon. Et du coup, là, on peut mettre presque notre édit de religion imposée, quoi. La guerre contre le Danemark. Hein. La Moscovie viendrait. Ouais, ça peut être pas mal, mais j'ai pas envie de filer de la Moscovie non plus, quoi. T'as des dettes. Wow. Moscovie. Voyons. Perte d'argent. De prestige. Mais retourne là-bas, ça sert pas à grand chose que tu restes là-bas, toi. Et là, on va pouvoir reconsolider une armée. On peut faire 12 troupes de plus. Allez, 12 troupes quand même, mais on... est-ce qu'on a vraiment les finances pour 12 troupes? La réponse, je ne pense pas. Après, on pourrait prendre un mec comme ça, qui calmerait le jeu. Voilà. Et on pourrait prendre, adopter... Eh ben non. Le sort des paysans. Ok. Voilà, bon déjà là, je pense qu'on est bon. Voilà, ça a calmé tout le monde. Tout le monde va me lâcher maintenant. Alors, prestige annuel, Commedia dell'arte. Bon, ego. Pour du prestige, pourquoi pas. Alors, moi, ce que je voudrais, du coup...
Voilà qui est fait. Alors, construire un sanctuaire à Polosk. Ouh, un... Ouais, mais production à Marienbourg, je crois que c'est que du blé. Hein. Ça, ça... Il faudrait... Ouais, n'importe quelle manufacture. Quoi. Bah non, construire un truc à Polosk, allez. On pourrait peut-être les faire baisser maintenant, nos ordres. Pas vraiment. À Polosk... Bon là on devrait gagner un peu moins d'argent aussi. Bon on va se regrouper là. Ok. Bah écoutez oui. Oui. Oui mais avant que je fasse cette guerre, moi je te dis ce que je veux. Mais le problème c'est que là... Bah bah tu veux ça toi. On va pas se cacher alors. Non, pas deal. Et ouais, je pense qu'on va accepter cette guerre. On va accepter cette guerre et puis... Et on va voir où ça va nous mener. My go. Voilà, mais on verra ça au prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. Ouais, ça devrait aller. Ils n'ont plus de réserve militaire. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à plus les gens.